Lève-toi. Moi aussi, comme toi, je suis un homme. Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. J'étais dans la ville de Joppé. Je priais. Je tombais en extase. Et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe, attaché par les quatre coins, descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Pour la seconde fois, la voix se fit entendre dans le ciel. Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois. Puis tout fut retiré de nouveau dans le ciel. Et voici, aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir puisque vous m'avez appelé. Et donc, je vous demande, pour quel motif vous m'avez envoyé chercher? Il y a quatre jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la neuvième heure. Et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer. » Lequel, étant venu, va te parler. Aussitôt, j'ai envoyé un serviteur vers toi. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez, ce qui est arrivé
dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée. À la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je m'opposer à Dieu? Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie.